Revenir de là-bas? Ouais, on était là-bas, là. Là où il y a ma tête, c'est le coin où on voyait l'hôtel. Ok. Il s'est passé quoi? Ils se sont entretués? C'est les marionnettes foncées contre les marionnettes claires? C'est quoi cette histoire? Oh, le carnage. Il y a quelque chose là-bas. Bah ici aussi. Ils sont tous ensemble ou alors c'est les sombres contre les clairs. Ah, une pierre de lune cachée. Alors ça permet des modifications. Donc ça peut être intéressant. Système de défense de l'hôtel. Bienvenue au sanctuaire du Grand Contrat. Prouvez votre identité. Qui êtes-vous? Alors, surtout pas une marionnette, si j'ai bien compris. Quatre lois du Grand Contrat. Une marionnette ne peut mentir. Quatrième loi. Bienvenue à l'hôtel Krat. Utiliser le bras de Légion au consomme de la Légion. Ok. Hôtel Krat. Il a fait bleu. Clochette. Je suis si heureuse de vous voir. Je m'appelle Sophia. Je vous attendais. Je vous ai cherché dans toute la ville de Krat. Vous avez des questions? Gepetto saura y répondre, mais il faut le trouver. Il a été vu pour la dernière fois dans le boulevard de l'Élysion. Krat est dangereuse pour les humains, et ce quartier est le pire. Trouvez Gepetto dans le boulevard de l'Élysion. Ensuite, je vous en dirai plus. Ok, bon, cette fois-ci. Alors là, mobilité, ok. Le truc, c'est le poids. Comment on voit le poids? Punaise. Bon, pour l'instant, je vais rien toucher. Gemini a l'air secoué. Gemini va bien. Preuve que vous êtes cassé. Le vrai Gemini n'est pas si calme. Sans être inventrice, je peux peut-être le réparer, ou il se réparera tout seul avec le temps. Prenez cette montre. Krat est un labyrinthe périlleux. Cette montre vous guidera au lieu sûr. Montre goussée des phases de la lune. Alors normalement, si je me trompe pas, la montre, elle vous permet de vous téléporter. On va peut-être parler un peu avec elle. Alors, parlez. À propos de l'ergot. L'ergot est un miracle qui a permis à Krat de prospérer. Sans l'ergot, il n'y aurait pas eu de marionnette automatisée pour faire la richesse de Krat. Lorsque vous bougez, vous puisez dans le pouvoir de l'ergot en vous. Récupérez plus d'ergot. Ça vous rendra plus fort. Souhaitez-vous en apprendre plus sur un sujet? Dans le folklore de Krat, un criquet sert souvent de guide. C'est la raison pour laquelle ces modèles automatisés sont devenus populaires. Mais Gemini est unique. Ce n'est pas qu'un guide. Vous comprendrez ce que je veux dire. Ok. Non, bah c'est bon. On a fait le tour.
Alors ici, toi, tu fais quoi? Bienvenue à l'Hôtel Grasse, je suis Paul Anguina, majordome de Dame Antonia. Que puis-je faire pour vous? À l'Hôtel Krat, calme et confort vont de pair. Bienvenue à l'Hôtel Krat, en quoi puis-je vous aider? Oh, d'accord. Ok. On peut en acheter. Qu'est-ce qu'il refout là, lui? Bon, alors attendez, parce que avant de faire une... On va parler déjà à propos du contrat. Le grand contrat est un ensemble de commandements absolus, dont les marionnettes sont empreintes lors de leur fabrication. Loi. Première loi, toutes les marionnettes doivent obéir aux ordres de leur créateur. Deuxième loi, une marionnette ne peut faire du mal aux humains. Troisième loi, une marionnette protège et sert les humains de la ville et la ville de Crète. Quatrième loi, une marionnette ne peut mentir. Je vous ai parlé des lois dont est empreinte chaque marionnette. Avez-vous besoin de quelque chose? En quoi puis-je vous aider? Bon, bah déjà, ici, c'est le hub central. Se téléporter vers... Non. Alors, moi, ce que je veux... Voilà. Et tu vas y rester. C'est bon là? Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Maintenant, on va les vendre. C'est bon, il est resté dans le stockage. On est OK. Alors ici. Fait très vite quand même. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans leur décor là. Car c'est rempli d'objets, pour autant ça a l'air vide. Ah, bonjour madame. Antonia, les clients surprises sont les bienvenus. La réservation n'est pas obligatoire. Je suis Antonia et voici mon hôtel. Bienvenue. Elle, c'est censé être toi quand t'étais jeune? J'ai tout de suite su que vous étiez la marionnette de Geppetto. Il a beau avoir un grain, son talent reste intact. Dommage, il est parti au boulevard de l'Élysion et n'est jamais revenu. S'il ne revient pas vite, il faudra préparer un autre cercueil. Tous. J'avais oublié que je gardais ça pour moi. Pour lui. C'est une longue histoire. Mais mieux vaut que vous l'ayez. Trouvez ce vieil homme. Et faites attention à vous. Souvenir de quelqu'un. Exhibition de vêtements. Ok. Les gens n'ont pas idée du nombre de secrets enfouis à Crète. Merci de me tenir compagnie. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je vois, vous êtes là, ça veut dire que vous pouvez mentir. Vos mensonges sont une capacité rare. Vous êtes capable de choisir votre propre voie sans aucune limite. Les gens de l'extérieur ont toujours peur des marionnettes. Mentez pour vous protéger et trouver votre voie. Merci de me tenir compagnie. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je suis une vieille amie de Geppetto. Son fils est comme un membre de ma famille. Faites comme chez vous. Vous êtes toujours le bienvenu à l'hôtel. Si vous avez des questions, demandez à mon majordome, Polandia. Polandino. Merci. Ok, bon, bah c'est bon. Au revoir, madame.
Ok, là il y a l'air de rien y avoir. Pareil ici. C'est marrant, hein, malgré les objets, hein, on a vraiment, j'ai vraiment cette impression de vide en fait. Là ici y a rien. Eugénie, Gepetto m'a parlé de vous, mais vous voir, prenez, Gepetto m'a laissé ça. Bras de Légion est un équipement spécial sur le bras gauche. Chaque bras de Légion possède sa propre capacité de combat. Le bras de Légion peut être modifié, différentes formes. Modification peut être effectuée à l'aide d'une machine d'artisanat de Venigni. Hop. Je sais pas le dire. Hop, allez. Alors déjà on va revenir là-dessus parce que moi je suis en force. Là il scale bébé en mobilité technique et si vous regardez le deuxième, il scale en C en mobilité et en D en progression. Il a que A en technique donc c'est de la dextérité. Moi je reste sur la force. Donc voilà. Donc vous ne verrez pas de grappin. De toute façon il y a assez de youtubeurs qui jouent avec le grappin. On va aller voir s'il y a quelque chose là-dedans. Grâce, tenez-vous en face de l'ennemi, RB. D'accord. Donc dès qu'on l'a choqué, en fait c'est un petit coup qu'il faut mettre, c'est pas un gros coup. De la chance pour tous les visiteurs. Oh punaise, mais c'est qui a fait le temps? Du repos pour tous les voyageurs, bénédiction pour tous les voyants. Ok, on laisse tomber. Ça valait vraiment rien. Là il y a encore un étage, on va aller faire un tour, tiens. Ok, il faut une clé. C'est verrouillé. Tous les coups, à un moment, faudra se mettre là pour avoir une converse, voir une conversation avec Gepetto L à tous les coups. Y a rien là. On va aller retourner à l'intérieur parce que j'ai oublié de faire un truc. Alors déjà on va vérifier un truc. Hop. Ici. Tout est occupé sauf celui-là. Et d'ailleurs on va mettre le gousset. Ah non, le gousset on va le mettre en bas. Ce qu'on va mettre, on va mettre ça. Voilà. Et le gousset, on peut pas le mettre ici?
Outils de réparation. Gousset. Voilà. Je mets tout ce qui est acheté au-dessus. Et tout ce qui est aiguisé en dessous. Enfin, tout ce qui est utilisé en dessous, en fait. J'ai oublié de me présenter. Génie du syndicat de l'atelier. Je suis experte en armes de toutes sortes. Maître Gepetto serait d'accord. Si vous voulez arranger une arme, amenez-la moi. Je m'y connais. Alors, améliorer une arme. C'est mon arme. Ok. Bon, bah, allons-y. Donc maintenant, il en faut deux pour dire de l'améliorer au rang d'après. Pour qu'elle passe en plus de... Ok. Ensuite. Ah oui, les poignées aussi. Et donc pour les poignées, c'est des manivelles. Et on peut altérer... Ah ouais, bah c'est bon ça. Celui-là, il serait bien. J'ai pas... Un Stargazer est un appareil de survie utilisé par les rôdeurs. Il est alimenté par les spores d'ergo qui accumulent et absorbent dans l'air. Les rôdeurs ont installé des Stargazers un peu partout en ville. Une fois qu'ils seront réparés, nous pourrons les utiliser. Ok. Si vous souhaitez tester vos compétences, essayez une nouvelle technique. Vous, au jardin, les rôdeurs... Ok, ne me regardez pas comme ça, tout le monde déteste les marionnettes. Je sais quel camp vous êtes. Bon bah c'est tout, c'est terminé. Ok. Bon, pour ma part, je vais faire une pause, je vous retrouve tout de suite. Allez, à plus.